que vous allez bien et si tout va bien. Nous sommes aujourd'hui mercredi, il est midi et quart. Je viens de rentrer du boulot, matinée qui s'est très bien passée. Je vais mettre mes Birkenstock. On a deux paires de Birkenstock et à chaque fois je me fais avoir, j'en mets une brillante et une mate. Tout va bien. Parce qu'il y en a une à Doudou et une à moi et on fait la même taille. Donc voilà. J'étais en train de dire à Doudou, est-ce qu'on mangerait pas dehors? Il me dit, il fait froid, mais il fait pas froid. Il fait pas frais là. C'est super bon. Je vais mettre la table là, on va se manger dehors. Hein, qu'est-ce que vous en dites? Bon, il m'a tout préparé pour que je puisse faire les frites. Donc à midi, c'est poulet frites. Doudou s'est occupé de faire la marinade des poulets, du poulet hier. Mais par contre, il ne l'a pas mis au four. Mais... Chérie, t'as pas vécu le poulet? Non, non, qu'on mette au four et puis on met les frites aussi. Bah oui, mais le poulet ça cuit pas en 2 minutes. 20 minutes. Bah on a le temps de manger. Ouais. Tu sais que tu viens à midi 10, habituellement on mange à 1 heure. Ouais, ouais, ouais. Non, ouais. Non mais elles ont pas trop faim les filles? Non, ça va. Bon, ça va. Donc je vais mettre la table de l'autre côté. Et on va manger. Et je vais faire chauffer l'huile. Comme ça, ça sera fait. Et puis on va manger. Regardez-moi ça, comme c'est joli. Il a fait mariner le poulet. En plus, je l'ai laissé bien dans son cellophane, comme ça, ça prend pas le goût du frigo. Ouais, par contre, la salade de riz, t'as pas mis cellophane? Non. Et t'as pas mis en boîte? Non. Et ça va être tout sec? Eh oui. Non, c'est tout humide. Ouais. Je te promets que c'est humide. Ça sent bon, en tout cas. On va remettre un petit filet d'huile d'olive sur le dessus. J'en avais mis, puis et puis on va mettre au four. Le poulet mariné, c'est une recette que vous pouvez retrouver sur mon blog. Je l'avais fait en blog, en article de blog, et franchement à la maison on l'adore, il est trop trop bon, mariné, il y a de la moutarde, des épices, de l'huile d'olive, des oignons et tout, et non mais alors ça c'est Renaud tout craché, je vous jure, il m'a rien laissé dans l'huile d'olive, c'est-à-dire que, non mais, je sais que vous avez les mêmes à la maison. Ou tu sais, quand il laisse une feuille de papier toilette pour dire non, c'est pas moi qui jette le rouleau. Non. Non, non, non. Ou alors quand il laisse un gâteau. Mais un. Hein. Dis donc, monsieur, l'huile d'olive à moitié. Tu m'as laissé une goutte, tu pouvais pas la changer? Ah bon? Ah bon, il m'a dit. Oh, j'avais pas vu. Oh, oh bah la bouteille était lourde. Comment? T'as fait à 2h du matin? Mais c'est pas mon problème. Et puis l'huile d'olive, elle a rien demandé non plus. Oh bah dis donc, hein. Bon, c'est pas comme si on en avait pas de l'huile d'olive. Enfin bref, bon allez, on va mettre tout ça au four. Je vais dresser la table dehors, parce que là il l'a mis dans le salon, mais on va manger dehors. Oh, il fait super bon, il fait 20 degrés, il fait trop trop bon. Oh, c'est tellement agréable. Et au pire, si on a un petit froid, on met une petite laine, hein. On va manger chaud, donc voilà. Ah, cet après-midi, on va profiter du soleil. Je pense qu'on va sortir, on va voir ce qu'on fait. J'ai mon lilas qui est tout en fleurs. On est pas mal, Goji, là, hein? Hein? Goji? Goji? Faut que je me trouve un matelas, là, pour aller sur mon bain de soleil. En fait, je l'ai acheté à Ikea, mais ils vendaient pas le matelas qui allait avec. Donc, je suis un peu dégoûtée. Il n'est pas disponible en fait, donc bon bref, après c'est une taille standard, donc je vais le trouver ailleurs, mais voilà. Ah oui, et d'ailleurs j'ai une question, je ne sais pas si vous vous rappelez, alors déjà regardez ma glycine, c'est tout bourgeon, ça va sortir, oh, regardez ça, et tout de partout, ça va être magnifique, je vais vous filmer au fur et à mesure quand ça sortira, l'année dernière je vous avais fait pareil, je me rappelle, et elle va être magnifique cette année, magnifique, d'une année à l'autre de toute façon, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais de mon œuf là, vous voyez le coussin bleu, j'aimerais le changer, et je ne sais pas où c'est que je peux trouver ce genre de coussin, là, parce que j'en ai marre de ce bleu, en plus il prend toute la crasse et tout, donc ça m'énerve un peu. Voilà, baisse la poignée chérie. Voilà, donc si vous avez un magasin où on peut le trouver, je suis preneuse. Baisse la poignée mon cœur. Oh mais c'est toi, je croyais que c'était la grande qui voulait sortir. Attends, on va sortir de l'autre côté louloute. Bah, on va aller manger de l'autre côté. Est-ce que tu veux mettre tes crocs? Oui. Oui. Elles sont là, regarde. Les crocs pailletés de Aria. Eh oui, allez, mets à ton pied. Papa, il t'a fait une couette? Oui, une couette. Une couette. L'autre pied, mon cœur. L'autre pied. L'autre. L'autre, l'autre, l'autre. Oui, bravo. L'autre. Et c'est à l'envers, là. L'autre.
Voilà, vas-y. Qui c'est qui a 2 ans demain? Aria? Aria, c'est l'anniversaire de qui demain? Non, de toi, c'est ton anniversaire. Tu as 2 ans. 2 ans? Oui. C'est... Ouais, 2 ans! On va faire la fiesta? Oui. Et voilà le petit repas de midi, des frites, du poulet. Parfait! Le... Oui, papa. Ah non, elle est pas cassée, c'est normal la chaise comme ça. Aria, c'est quoi la chanson du poulet? Bon, on est pas mal là, les filles. Bah, ramasse-la ton assiette. Aria? Aria? C'est quoi la chanson du poulet? Du coup, la chanson du poulet? Tout poulet! T'as piqué une frite, toi! Bon, nous sommes en pleine activité peinture avec les filles. Donc, j'ai mis toutes les peintures là, j'avais tout acheté, alors principalement à Action. J'ai acheté de la peinture par 16 là. Ça, c'est bien pratique. Et franchement, j'avais payé ça une misère à Action, mais il y a toutes les couleurs, donc c'est trop cool. J'avais acheté des gros blocs de pages blanches. Donc ça aussi, c'est super pratique. Maman. Oui, mon cœur. C'est du rose. Hop. Donc voilà, petite activité peinture, elles sont tranquilles. Moi, je suis en train de faire des yaourts. Donc, je les ai lancés hein, déjà. Donc j'en ai fait 12, j'ai préparé mes couvercles avec l'écriture dessus, comme ça tout est fait. J'ai fait coco, barbe à papa, framboise, cerise, 3 de chaque. On est parti pour 5 heures, donc ce soir à 19h30 à peu près. Et sinon je suis en train de faire des îles flottantes pour le dessert de ce soir. Donc j'ai fait ma crème anglaise et là je vais faire mes blancs en neige. Tu t'en mets pas sur le visage mon chat? Eh ben c'est pas grave, s'il y en a sur les mains, c'est pas grave, on lavera les mains. Mais tu fais et tu frottes pas tes yeux, d'accord? Oui. Parce que ça pique la peinture. Donc oui, je vais faire mes blancs en neige, là, je vais m'en occuper. Et puis après, ça partira au frigo, ça sera pour ce soir. En sachant que il faut que ce soit bien frais, c'est meilleur quand même, donc voilà. Là, j'ai pris 6 bols. Je pense que ça va suffire. On va voir. Je vais mettre déjà la crème anglaise dans les bols. Et puis après, je vais faire les blancs en neige. Je vous montrerai tout ça quand c'est fait. Et après, moi, je me mets en mode couture. Je vais déplacer ma machine à coudre à côté des filles. Comme ça, je ne suis pas trop loin. Et je peux quand même surveiller ce qui se passe. Oui, mon chat. C'est beau, Cali. Il est beau, ce bleu, hein. Et voilà mes petites îles flottantes pour ce soir. Donc j'ai pu en faire 6. Sur le dessus j'ai mis du caramel qui était déjà tout fait. Hein. Donc voilà, ça va partir au frigo. L'idée c'est que ça se mange bien frais, ça la crème anglaise et tout bien frais. Et voilà, on va se régaler, ça va être trop trop bon. Bon, Doudou a récupéré une commande. Guy de Marle. Alors déjà on a reçu la commande avec les cadeaux de Aria. Je les ai mis dans notre bureau. Faut qu'on fasse les paquets de cadeaux. Par contre il y a le ukulélé qui n'est pas arrivé. Et sur la livraison c'est marqué c'est marqué ukulélé. Ouais, c'est marqué ukulélé. Tu l'auras pas pour demain dans le culélé. Tiens. Voilà, c'est demain son anniversaire hein. Mais bon, alors pour ma défense, je m'y suis pris un petit peu en retard. Mais en même temps on me prévoyait une livraison lundi hein. On est mercredi. Bref, Je vais appeler Amazon, je verrai ce qu'ils me disent. Oui, donc je vous disais, Doudou m'a récupéré ma commande Guy de Marle. J'en ai profité en fait parce que en ce moment et jusqu'au 2 avril, la livraison est offerte à partir d'un certain montant. Donc j'en ai profité. Je me suis commandé 2 moules, les gros muffins et les moyens. J'ai déjà le petit à la maison. Voilà, et j'ai commandé également des barres de chocolat pour faire des pains au chocolat. Voilà, je vais tester les Guy de Marle et la prochaine fois, je testerai les métros. Parce que ma copine Pauline, elle m'a dit qu'à métro, il les faisait aussi, donc je vais les tester. Voilà, si vous voulez passer commande chez Guy de Marle, profitez-en jusqu'au 2 avril. Il y a la livraison qui est offerte à partir d'un certain montant. Et si vous voulez profiter de 5 euros sur votre première commande, c'est vraiment que la première commande, hein, et ben, n'hésitez pas à m'envoyer un mail sur Bébé Pulpeuse, je vous enverrai le lien directement.
Voilà, voilà pour tout ça. En tout cas, je suis ravie. La doudou, la dernière fois, je lui ai montré. En fait, quand vous êtes conseillère Guy de Marle, vous avez des communiqués qui arrivent et des astuces, des recettes, etc., etc. Et la dernière fois, j'ai vu passer... Bonjour, toi. Je t'avais pas senti encore aujourd'hui. Je parle à ma fille, tout va bien. Je l'avais pas... Elle avait un peu bougé ce matin, mais après, voilà, elle dormait depuis ce matin. Oui, j'avais vu passer, en fait, il y a une conseillère qui pendait comme des vêtements avec des cintres pinces, ses moules. Et en fait, je me suis dit, mais c'est une trop bonne idée. Au moins, tu les vois tous et ils ne s'abîment pas, quoi. Donc, je pense qu'on va trouver une petite place pour faire la même chose. Alors, je ne sais pas où encore, je vais trouver. Hein. Mais voilà, parce que moi, là, actuellement, ils sont sous le four, ils sont tous entassés. C'est pas, je ne les vois pas bien et puis ça les abîme. Donc, voilà, je pense que je vais faire comme ça. Voilà, voilà, pour tout ça. Allez, je suis bien contente. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? On a reçu les cadeaux de... Mais ça, je l'ai déjà dit, non? Mais est-ce que je radote? Non, mais c'est un truc de fou, quand même. Je radote, là, non? Bon, bah, si je radote, je suis désolée, mais sinon, on a reçu les cadeaux derrière. Je crois que je radote. Tout va bien. Oui, donc, effectivement, je radote. C'est un truc de fou. C'est fou, quand même. J'ai filmé pendant 2 minutes 30, hein. Et j'ai réussi à oublier le début de n'importe quoi. N'importe quoi. Bon, il est 19h05. Doudou vient de rentrer. Il a nettoyé le local poubelle avec le voisin là au Karcher et tout. Il y avait bien besoin. Moi, pendant ce temps-là, j'ai préparé le repas. Donc, j'ai fait une petite salade de pois chiches avec persil et oignons. Les filles n'en mangent pas, elles n'aiment pas ça. Donc ça sera pour nous, c'est pas bien grave. Et sinon j'ai fait du riz mélangé avec un riste d'aubergine. Voilà, en fait j'avais du riste d'aubergine, vous savez le Jean-Martin là. Et donc j'ai mélangé avec du riz et je suis en train de faire ça, gratiner ça avec de la mozzarella. Et je pense que ça va être très très bon. J'ai goûté, c'est un test, mais ça a l'air d'être pas mal. Voilà, oui je vais te donner mon cœur. Est-ce que vous voulez des petites tomates? Oui. Bah si, tu manges pas de pois chiches. Et en dessert, on a l'île flottante qui doit être bien fraîche, bien bonne. On va se régaler. J'ai fait tomber une tomate. Bientôt les moritos. À bientôt les moritos. Oui, oui, d'ailleurs, je sais pas pourquoi on attend. Pourquoi on attend l'été? On attend l'été pour les moritos? Un morito? Non. Demain. Demain, pour l'anniversaire d'Aria, on fera les moritos. Hey! Bon, il est minuit. Alors, on va pas faire des grands débats. Bouge pas trop les bras parce qu'il va tomber, lui. Il est en équilibre, là, sur ma bonbonnière. Il est minuit, on vient de terminer un direct sur Instagram. En fait, après le discours de notre cher président, j'ai décidé de faire un direct sur Instagram. Alors, sur le coup, je me suis dit, bah, ça va pas durer longtemps et tout. Je l'ai commencé, il était 20h40, je crois. Il est minuit. Voilà, vous étiez très nombreux, on a bien discuté et tout, c'était trop cool. De toute façon, à chaque fois, y a souvent les mêmes personnes qui reviennent, il y en a d'autres voilà, qui viennent pas souvent, mais ça fait trop plaisir. Donc pour ça, merci beaucoup. Si vous étiez là pendant le live, n'hésitez pas à mettre un petit, je sais pas, un petit texte, je comprendrai. Les lives sont jamais en rediffusion sur mon Instagram parce que déjà, ça me pompe toute ma connexion pour l'envoyer. Et voilà, j'aime pas trop mettre ça sur... j'ai rien à cacher, hein, rien du tout, hein, mais bon, voilà. Donc voilà pour ça, minuit, je vais aller me coucher. Là, on est en train de finaliser le vlog, donc je suis en train de faire le final. Et on va aller au dodo parce que demain, grosse journée, Aria a 1 an aujourd'hui. 2 ans. 2 ans. Oh, Aria a 2 ans aujourd'hui. Mon Dieu, que c'est passé vite. Je suis pas prête, moi. 2 ans. Oui, donc demain, on a une grosse journée. Je travaille de 8h à midi. À midi, je rentre à la maison. On va manger un petit bout avec Doudou. Et après, on prépare tout ce qui est anniversaire d'Aria. C'est-à-dire que je vais faire un petit gâteau. On va préparer la déco, etc., etc. Parce que c'est pas parce qu'on lui fait pas une grosse fête d'anniversaire avec toute notre famille qu'elle n'aura rien du tout. Là, on a les cadeaux. Je vais pouvoir vous les montrer parce que... En soi, la vidéo, elle sort, voilà, donc je vais pouvoir vous les montrer. Donc, on a pris le jeu de chez Nathan, Coucou les animaux. Donc, c'est un peu comme une forme de téléphone, il y a un bouton.
Et en fait, ça pose des questions, ça l'écoute, ça fait le bruit des animaux et tout. Et Ariel adore faire le bruit des animaux, donc je trouvais ce jeu très très bien. Et en plus, il est très très bien noté. Ensuite, j'ai pris un Memory avec des têtes de chat. J'ai craqué dessus. Donc, c'est de la marque Avenue Mandarine. Voilà, donc des petites têtes de chat en Memory. Ça, c'est trop cool. Je vous mettrai les liens directement dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Ça vient principalement de Amazon. Et pour terminer, donc, deux petits trucs. Parce que Aria, elle est à fond dedans en ce moment. Je sais qu'elle joue énormément à ça. Et en fait, on les avait pas achetés pour, ni pour Cali. Ni pour Aria d'ailleurs. Donc j'ai pris vous savez les puzzles colorés comme ça, donc avec l'alphabet et avec les chiffres pour faire des additions et tout, et même les formes. Voilà, donc on va emballer tout ça. Alors bien entendu c'est un petit cadeau, c'est un petit truc comme ça, parce que bah, le gros cadeau c'était la voiture. On voulait quand même qu'elle ouvre des petits cadeaux demain soir. Donc voilà, on va emballer tout ça. Et puis voilà, demain de toute façon, je vous filme tout ce qui est déco de l'anniversaire. Mais également le gâteau et tout ça, tout ça. Voilà, j'ai trop trop hâte. J'ai trop hâte. Ça va être trop cool. Enfin voilà, bon allez, je vais vous faire des bisous. Je vais aller me brosser les dents parce que j'ai mangé un petit bonbon... après avoir brossé mes dents tout à l'heure à 8h, mais bon, c'est pas bien grave. Je vais me brosser les dents et puis au dodo demain 8h midi. L'après-midi, je ne travaille pas. Et puis, vu toutes les annonces, etc., je vous en reparlerai certainement. Mais je vois mon médecin vendredi et on verra ce qu'on fait. Voilà, parce que... je ne sais pas comment ça va se passer avec la nounou, si, parce qu'elle a le droit de dire, bah, écoutez, moi, avec comme il n'y a pas d'école, elle va avoir ses enfants, elle. Si elle garde mais les deux miennes, les deux, en fait, elle a trois gardes complètes et elle a 1, 2, 3, 4, elle a 4 périscolaires. Trois gardes complètes, quatre périscolaires, vous imaginez, en plus de ces trois enfants. Ça fait 10 enfants, c'est énorme. Donc voilà, j'en discuterai avec elle demain. Et puis voilà, et Doudou, bah, ça ne change pas, il est en télétravail, voilà, tous les jours. Voilà, voilà. Enfin bref, bon allez, on vous fait des bisous, on vous dit à demain. Et qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que je l'ai déjà dit? Je ne sais pas si je radote, je suis désolée, mais je n'arrête pas en ce moment. La vidéo sur l'organisation pour faire ma liste de courses, mes menus, etc. arrive très prochainement. Soit ça arrive ce week-end, soit ça arrive début de semaine prochaine. Voilà. Allez, on vous fait des bisous et on vous dit à demain. Bisous.